Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour ouvrir la case numéro 8 des calendriers de l'Avent Action. Il y a le calendrier spa et le calendrier beauty. Donc nous allons commencer avec le calendrier du coup spa, parce que la case est toute petite. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Alors, voyons, voyons. Nous avons ceci là, qui ne veut pas sortir, bien sûr, évidemment. S'il voudrait sortir tout de suite, ça serait pas rigolo. Il ne veut pas. Ça ne veut pas. Si vous aussi, c'est toujours la galère pour sortir vos produits des calendriers de l'Avent, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me dire quel produit vous a le plus énervé. Moi, je pense que c'est celui-là. Oui, je pense que c'est celui-là. Je vais jamais y arriver. Alors, on va le faire à la système D. Ta-da-da. Donc, nous avons Delphou. Voilà. Moi, ça m'énerve, ça. C'est le genre de truc qui m'énerve parce que, voilà. Et voilà. Crayon bois, sorti. Donc nous avons quoi dans cette case qui m'a bien fait suer? Nous avons, alors, shower gel de spa, petite bouteille qui va bien avec la déco que j'adore. Alors, gel douche. Gel douche, super, on aime un gel douche. Oui, c'est toujours la même odeur en fait, ça va rester sur le même thème, la même odeur. Mais c'est super bien parce que ça, le gel douche, bon bah, on dort pas à la maison ou on est en vacances. Ou, enfin, on met ça à fitaler dans la petite trousse et c'est nickel. On adore. En tout cas, j'adore. On continue avec le beauty. Je vous cache pas qu'entre les deux, ouais, c'est kiff-kiff parce que le spa, il apporte quand même pas le truc que j'aime bien. Mais le beauty, je le connaissais pas du tout. On se retrouve demain pour ouvrir la case numéro 9 du calendrier de l'Avent Action Spa et Beauty. Je vous fais des bisous en attendant.